administrative, coutumière, religieuse, militaire et paramilitaire. Sœur Rebecca, secrétaire exécutif de l'ODS. Mesdames et messieurs les acteurs de l'éducation, chers membres de l'ODS, distingués députés, mesdames et messieurs, notre cher et beau pays de Burkina Faso a promulgué la loi numéro 02/2010 AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, loi qui accorde une large marge en protégeant, en promouvant et en assurant la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées et garantit le respect de leur dignité intrinsèque. Fait ancienne, cette loi est garantie l'éducation inclusive dans l'établissement préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire et universitaire, l'organisation du pont pour le développement social, soucieuse du devenir et de l'avenir des élèves en situation de handicap, a jugé opportun d'apporter sa modeste contribution pour la promotion de l'éducation inclusive dans notre région à travers son programme dénommé Organise-t-elle annuellement depuis 2018 une conférence avec bien sûr l'accompagnement et l'appui des acteurs de l'éducation, conduisant ainsi à l'édification d'actions, à l'identification d'actions concrètes et réalisables avec un plan d'action conférence consacré sur l'évaluation du plan d'action régional des hauts bassins sur l'état de la mise en œuvre de la loi 12. Mesdames et messieurs, bonjour et merci donc à vous toutes et tous qui l'avez mis à jour une fois pour honorer de votre présence effective les travaux de la troisième conférence régionale des hauts bassins sur l'éducation inclusive. Au menu de cette conférence, il est prévu un cérémonial d'ouverture qui s'articulera ainsi de suite. Tout d'abord, nous aurons le mot de bienvenue du représentant du maire de la commune de Bourg, la pause musicale avant l'intervention du président du conseil régional qui est réparé, comme je viens de le dire, et enfin le discours d'ouverture de monsieur le gouverneur qui sera livré par sa presse. À la reprise, l'inspecteur chef de la circonscription d'éducation de la Bourg assurera la modération avec la vérification des présences et mettra le programme à l'appréciation des participants pour l'éventuel amendement. Une nouvelle suspension pose la feuille oblige et à la reprise, c'est la question de la communication et la mise en éducation inclusive dans notre région. Il sera fait par l'inspecteur Sibéflan Traoré. Il est prévu des échanges autour de ces communications, évidemment, les enseignements à tirer. La représentante de l'ODDS viendra une seconde fois pour des mots de remerciement avant le discours de clôture de M. le gouverneur. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable écoute et sans transition, comme nous l'avons prédit dans notre chronogramme, nous allons. Madame Saka, présidente de l'organisation du Pont pour le développement social. Monsieur le représentant, le président de l'OMC, Nancy Bourny. Mesdames et messieurs les acteurs du monde de l'éducation, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers membres de l'ODS, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais ici m'excuser au nom de monsieur le maire de la d'assaut, qui s'appelle, et qui est absent pour cette cérémonie, il est empêché. Mais avant justement de dire un mot à son nom, je voudrais saluer un homme que vous-même vous avez voulu qu'il soit le parrain effectivement de l'événement. C'est un événement important pour notre ville, pour notre pays. Je voudrais parler du président M. Koussoué. Un bas pour lui. C'est pourquoi vous le savez, il a été maire d'arrondissement. Il a été maire aussi de commune. Également, il a été député. Aujourd'hui, il est président.
Et pourquoi je voudrais qu'on lui apporte un banc. Et c'est par rapport à cette commodité que nous vivons ce matin. Cette salle qui donne tout le confort et à son actif et au nom de l'actif de son. Et la capitale économique, aussi la capitale culturelle, la capitale sportive de plein façon. Une ville aussi à vocation verte, donc c'est une ville de destination. Il faut qu'il y ait du confort. Et donc c'est pour ça que je parle de cette salle, en tout cas qui donne encore quelque chose d'intéressant pour notre ville. Et cela est très important pour nous. Au niveau de la commune de Bourg-Plasso, je voudrais encore une fois de plus de saluer au nom de la commune de Bourg-Plasso. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, participants et participants à la troisième conférence régionale des hauts bassins sur l'éducation inclusive, Rebonjour. C'est un réel plaisir pour moi, en tant que représentant du maire de la commune de Bourg-Plasso et chargé des questions d'éducation, de m'adresser à vous ce matin. Vous les partenaires, vous les acteurs de l'éducation dans le cadre de cette conférence dont l'importance se passe dans le commentaire. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour saluer votre remarquable mobilisation et par conséquent votre intérêt et votre engagement pour la cause de l'éducation inclusive dans la région des Hauts-Bassins et particulièrement dans la commune de Bourg-Plasso. Cette conférence, la troisième du genre, initiée par l'Organisation du Pont pour le développement social, est donc à sa troisième édition. La première ayant eu lieu en 2018 et la seconde en 2019. C'est le lieu ici pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance et mes encouragements à l'ODDS et à ses partenaires techniques et financiers pour l'immense travail accompli, souvent dans le monde, au profit de l'inclusion socio-économique des enfants et jeunes en situation d'handicap. Nous avons là un exemple éloquent de la mise en œuvre efficiente de sa devise foi, travail, solidarité et discipline et de son motif défi d'un monde plus inclusif. Ceci étant un plan d'action triennal sur l'éducation inclusive élaboré depuis 2018 au profit de la région des Hauts-Bassins. En outre, vous aurez à faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la loi 012-2020 AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées dans la région des Hauts-Bassins. Au regard de ce contenu, les enfants en situation de handicap, leurs parents, les autorités politiques et administratives de la commune fondent un grand espoir sur l'issue de ces travaux afin d'être situés sur les prises de décision et les devenir en matière d'éducation inclusive. À ce titre, l'ODDS et ses partenaires peuvent être assurés du soutien de la commune car il s'agit là, nous en convenons, du combat pour une société juste, équitable et de paix. Sur ce, je vous remercie à vos travaux. Je vous remercie. Merci également à vous, monsieur le patron adjoint, le patron intervient donc dans plusieurs domaines, tels que la santé, la promotion de la femme, la protection de l'enfant et bien évidemment au niveau de l'éducation. Et celle qui interviendra dans l'instant en est secrétaire exécutif, sœur Rebecca Toé, que j'invite pour son plaidoyer. Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-Bassins,
représentant le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Madame et Monsieur les Hauts-Commissaires de province ou leurs représentants, Monsieur le représentant du maire de la commune de Bourg-Lasso, Mère Léa Benissaga, présidente de l'Organisation du Corps pour le développement social, Monsieur le représentant du président de l'Université La Siboney, autorité administrative, coutumière et religieuse, militaire et paramilitaire ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les acteurs du monde de l'éducation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers membres de l'OBDS, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et une joie immense pour nous de prendre la parole à l'occasion de cette troisième conférence sur l'éducation inclusive dans le Haut-Bassin afin de vous souhaiter la bienvenue, de remercier et saluer votre présence effective à cette conférence malgré vos calendriers chargés. C'est le lieu pour nous de traduire toute notre reconnaissance pour votre engagement, votre adhésion à la cause de l'inclusion des personnes handicapées en général et pour l'éducation des enfants et jeunes en situation de handicap en particulier. Merci à vous tous. En rappel, l'Organisation du Pont pour le développement social a été créée par l'Institut des Sœurs de l'Annonciation de Bourg-Lasso. Elle est une structure d'appui technique, d'accompagnement et de promotion des œuvres sociales. Le siège de l'ODPS est situé au 726 de Bourg-Lasso. Pour son programme handicap et développement inclusif, l'organisation collabore avec 18 organisations partenaires à travers le pays, dont deux structures à Bourg-Lasso. À travers ce programme et avec l'appui technique et financier de son partenaire, la Fondation Lilian, basée aux Pays-Bas, l'ODDS œuvre depuis 2004 à l'épanouissement et à l'insertion socio-économique des enfants et jeunes en situation de handicap de 0 à 25 ans. Au Burkina Faso, le programme handicap aide non seulement à l'accompagnement individualisé des enfants handicapés sur les plans médical, scolaire et social, mais aussi sur les plans de la mise en place d'infrastructures, de moyens logistiques et du développement des compétences en vue de leur autonomisation. Chaque année, ce sont entre 2500 à 3500 enfants et jeunes de 0 à 25 ans à travers le pays qui bénéficient de son soutien. À titre d'exemple, en 2020, ces enfants et jeunes bénéficiaires étaient au nombre de 1811, dont 1237 dans le domaine de l'éducation. Mesdames et Messieurs, participantes et participants à la conférence, l'ampleur des besoins,
des personnes handicapées dans notre pays et particulièrement dans la région des Hauts Bassins est telle que les interventions des acteurs privés, des associations, des ONG, seules ne peuvent constituer une panacée à la problématique des enfants handicapés. C'est pourquoi l'ODDS s'est engagé à faire de la sensibilisation et du plaidoyer avec le concours des acteurs de l'éducation, afin que chaque structure, chaque institution, chacune et chacun de nous, selon son pouvoir, ses moyens et ses compétences, agissent pour faciliter l'accès des enfants handicapés à l'école, condition sans laquelle l'éducation pour tous restera un mauvais. L'organisation annuelle depuis 2018 de la conférence régionale pour la promotion de l'éducation inclusive dans la région des Hauts Bassins s'inscrit dans ce cadre. De fait, si la première conférence organisée en 2018 a abouti à l'élaboration du plan d'action régional sur l'éducation inclusive, la deuxième conférence tenue en 2019 était dédiée à l'appropriation et à la mise en œuvre de ce plan par les acteurs. La troisième conférence qui nous réunit ce jour se donne pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre de ce plan d'action triennal de promotion de l'éducation inclusive dans les Hauts Bassins. Au cours de cette conférence, il sera procédé à l'état des lieux de la mise en œuvre de la loi 012-2010-AN du 1er avril 2010. Portant protection et promotion des droits des personnes handicapées dans la région des Hauts Bassins, avec un focus sur l'application des dispositions en matière d'inclusion scolaire des enfants et jeunes en situation de handicap. Sans nul doute, qu'au sortir de cette rencontre, des enseignements seront tirés et des suggestions émises pour un réajustement du plan. Toutefois, l'ODDS n'a pas la prétention à elle seule de mettre en œuvre ce plan d'action dans la mesure où elle ne dispose pas suffisamment de ressources. Cependant, elle est convaincue que chacune et chacun de nous et chaque structure ici présente est capable de faire quelque chose pour que l'éducation inclusive devienne une réalité dans notre région. En tout état de cause, le droit à l'éducation concerne tous les enfants et les enfants en situation de handicap doivent pouvoir, eux aussi, avoir accès à l'école publique comme les autres enfants, avec la garantie d'une éducation de qualité pour leur avenir. Avant de clore notre propos, nous voudrions solliciter des autorités communales et régionales un plus grand engagement et la prise en compte effective de la problématique de l'éducation inclusive dans leur budget et plan de développement. Quant à l'ODDS, elle s'engage à plaider sans relâche la cause des enfants en situation de handicap auprès des partenaires d'appui, notamment la Fondation Liliane. Sur ce, nous adressons
Une fois encore, nos sincères remerciements à Monsieur le Gouverneur, président de cette conférence, Monsieur le président du Conseil régional, parrain de la conférence, Monsieur le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et au maire des arrondissements pour leur engagement constant à nos côtés. À vous toutes et tous, pour votre disponibilité, votre accompagnement et vos encouragements. Vive l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap dans la région des Hauts-Bassins. Vive la promotion de l'éducation pour tous. Plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci également à vous, Sœur Rebecca Doué. Merci aussi à votre organisation pour tout ce qu'elle fait. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, nous allons partir pour une première animation et la gérante. Donc, vous allez expliquer la prestation s'appelle Zéphé Kamoutou d'Assyrie. Zaka Zefra. Elle est hôtesse Amour Africa et américaine à Welby. Son premier album est fin vrai et n'attend que la sortie officielle qui ne sera tardée. Elle a son actif pour plusieurs prestations à travers le pays. L'applaudissement bien nourri, la sœur. L'artiste Zaka.
Merci. Pour rebondir sur ce que la sœur Ricard venait de dire, je crois que M. Koulibaly, président de notre commission Affaires générales, qui s'occupe de l'éducation, est dans la salle. Donc, je vais lui demander de veiller à ce que la région inscrive dans son budget une ligne pour l'éducation publique. Merci. Ceci dit, Madame la conseillère technique, représentant le gouverneur de la région de Haut-Bassin, M. Alain Sanou, quatrième adjoint au maire, représentant le maire de la commune de Bouy-Girasso, Sœur Léa Berensaga, présidente de l'organisation du Fonds pour le développement social, autorité administrative, coutumière, religieuse, militaire et paramilitaire, Sœur Rebecca, secrétaire exécutif de l'EDS, Mesdames et Messieurs les acteurs du monde de l'éducation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers membres de l'EDS, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est une joie et un réel plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce matin à l'occasion de cette conférence sur le bilan du plan triennal de développement de l'éducation inclusive dans la région de Haut-Bassin. Je voudrais remercier l'organisation du Pont pour le développement social et l'ensemble des organisateurs ici présents pour l'honneur fait à ma modeste personne pour parrainer une aussi importante activité. Je suis conscient que l'éducation est une priorité nationale, car elle est un droit à toute personne vivant au Burkina Faso, sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, la race, la religion, l'appartenance politique ou l'état de santé. C'est pourquoi, lorsque j'ai été contacté sans hésiter, j'ai marqué mon accord pour être des vôtres dans la tenue de cette conférence sur l'éducation inclusive. Distingués invités, l'éducation est le moteur de tout développement. Et dans le souci d'encourager les acteurs qui se battent nuit et jour pour atteindre l'objectif de l'éducation pour tous, il est tout à fait normal que je manifeste mon adhésion. De ce fait, si ma modeste contribution pour améliorer l'organisation de ces activités sur l'éducation inclusive, qui favorisera sans doute l'éclosion de talents et l'épanouissement d'élèves vivant avec un handicap, je ne manquerai aucun effort pour vous accompagner dans la prise en charge de cette mission. D'autre part, j'ai voulu exprimer ma reconnaissance envers le monde enseignant en acceptant de parrainer cette cérémonie, car moi-même, bien que de formation ingénieur, je suis avant tout un produit de l'école burkinabé. C'est aussi une manière pour moi de marquer l'intérêt. Conseil et moi-même portons à l'éducation en dehors de la réalisation d'infrastructures, de l'acquisition de mobilier, de l'organisation des assises régionales sur l'éducation que nous avons fait l'année dernière. L'objectif fondamental visé est de permettre à tous les Burkinabés de bénéficier d'une éducation de base, telle que définie dans la loi d'orientation de l'éducation, afin d'accroître leur capacité de participation au développement du pays. Il est du devoir et de la responsabilité de tous d'œuvrer pour un monde juste et équitable pour les minorités comme les personnes en situation de handicap qui sont considérées dans leur respect de leurs droits pour avoir un monde juste, paisible et équitable.
J'invite donc toutes les bonnes volontés à soutenir le DDS dans ses efforts de promotion de l'éducation inclusive dans la région des Hauts-Bassins, afin que la région puisse atteindre l'éducation pour tous en faveur de nos enfants. Pour terminer, je renouvelle mes remerciements à M. le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, aux acteurs du monde éducatif, aux partenaires, aux parents d'élèves, pour les multiples sacrifices consentis dans l'unique but d'offrir à chaque enfant du pays et de notre région une éducation de qualité, afin qu'il devienne plus tard un responsable, travailleur, équilibré et indépendant. Encore une fois, merci pour la marque de considération à mon égard qui signe le début d'un partenariat et d'une amitié entre notre région et le DDS. Je reste disponible avec tout mon conseil pour toute requête qui pourrait trouver une réponse favorable à votre niveau. Je vous remercie pour votre attention. Coutumières et religieuses, militaires et paramilitaires ou leurs représentants, Sœur Rebecca, secrétaire exécutive de l'ODDS, Mesdames et Messieurs les acteurs du monde de l'éducation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers membres de l'ODDS, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom de M. le gouverneur Apéché, aux contraintes majeures du calendrier. Chers honorables invités, mesdames et messieurs, chers participants, je suis particulièrement heureux ce matin de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la troisième conférence régionale des Hauts-Bassins sur l'éducation inclusive. Permettez-moi, avant tout propos, de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Aussi, j'adresse mes remerciements à tous, invités et participants, pour votre présence effective à cette conférence, ce qui témoigne de tout l'intérêt que vous apportez à la problématique de l'éducation inclusive. Je profite de l'occasion pour saluer l'initiative, car là où l'on se préoccupe d'inclusion, là aussi est le souci de justice, de paix, d'amour du prochain, bref, d'un monde meilleur, donc plus humain. Sa pertinence m'oblige à adresser mes vives félicitations aux organisateurs, aux partenaires techniques et financiers et à tous ceux qui ont œuvré pour sa réalisation. Mesdames et Messieurs, chers participants, l'Organisation du Compte pour le Développement Social, l'ODDS, à travers son programme Handicap et Développement Inclusif, et à sa troisième conférence régionale sur l'éducation inclusive dans la région des Hauts-Bassins. Cette action, même prise isolement, mérite d'être encouragée et soutenue. Le programme Handicap et Développement Inclusif de l'ODDS est destiné à la promotion de l'inclusion socio-économique des enfants et jeunes en situation de handicap de 0 à 25 ans. Cet objectif de promotion de l'inclusion socio-économique des enfants et jeunes en situation de handicap, fait de l'ODDS un partenaire de choix dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive en vue de l'éducation pour tous à l'horizon 2020. Mesdames et Messieurs, chers participants, toutefois, s'il est juste de saluer les efforts fournis jusque-là en matière de promotion de l'éducation inclusive par les OSC comme l'ODDS, force est aussi de reconnaître que les enjeux tels que formulés dans la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive restent encore nombreux. Citons en outre le développement d'un système de communication et d'information sur les enfants en situation de handicap et le déficit de compétences pour une mise en œuvre réussie de l'inclusion scolaire. L'adaptation du programme éducatif en s'appuyant sur les réalités burkinabées et sur les standards internationaux en vue de la prise en compte des enfants en situation de handicap. Aussi,
le soutien à la mobilisation effective des parents afin qu'ils soient de vrais acteurs de l'inclusion scolaire. La première conférence tenue en 2008 avait abouti à l'élaboration d'un plan d'action régional sur l'éducation inclusive. La deuxième conférence régionale, quant à elle, tenue en 2019, s'était penchée sur l'appropriation et la mise en œuvre du plan d'action sur l'éducation inclusive par les acteurs et partenaires que nous sommes. Mesdames et messieurs, chers participants, la troisième conférence qui nous réunit ce jour permettra de faire à la fois le bilan de la mise en œuvre du plan d'action sur l'éducation inclusive et l'état des lieux de l'application de la loi 012/2010 AR du 1er avril 2017 portant protection et promotion des droits des personnes. Ce faisant, j'ai nourri l'espoir que cette activité vous sera d'un grand intérêt et qu'à l'issue de réflexions approfondies, des perspectives d'action pourraient être dégagées, des suggestions faites et des recommandations formulées à l'attention des autorités administratives et politiques de la région. Avant de terminer mes propos, je voudrais réitérer mes remerciements à l'EDS, aux acteurs et partenaires concernés par là pour l'avancée significative constatée dans le processus de l'éducation inclusive. Je voudrais également témoigner ma reconnaissance aux participants qui, malgré leurs occupations, ont accepté de rehausser de leur présence dans cette cérémonie. Cela témoigne toute l'importance qu'ils accordent à la question de l'éducation inclusive. Aussi, je voudrais exhorter les participants à suivre attentivement les travaux car de vos réflexions sortiront des propositions à même d'impulser une plus grande dynamique à la promotion de l'éducation inclusive dans la région de Bourg-en-Bresse. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, et au nom de M. le gouverneur de la région de Haut-Bassin, je déclare ouverte la troisième conférence régionale des Haut-Bassin sur l'éducation inclusive. Ceci dit, je vous souhaite une pleine participation, que les échanges soient. Une animation de la compagnie Fientani, qui est une association de l'association art au-delà du handicap, qui veut dire en Duda Fientani. Thank you.
pour les activités de l'éducation inclusive. Est-ce que vous pouvez le venir sur cette promesse? Non, il n'y a pas de problème. Je crois que le plan régional de développement que nous avons adopté a prévu une importante place pour l'éducation. Et l'éducation inclusive, comme on le constate, nous concerne tous. Et nous avons donc le devoir de l'encourager, de le soutenir. Nous payons chaque année beaucoup de matériel, on construit des CD. Je pense que c'est tout à fait normal que je demande au Conseil de prévoir une ligne budgétaire pour l'éducation inclusive. Je pense que ce sera fait. D'accord, merci. Est-ce que ça sera quelque chose à long terme ou bien ça va se limiter à la bonne générosité du président? Bon, c'est une continuité. Les collectivités, même si je ne suis plus ici, je crois que quand on prend l'initiative, les autres présidents, certainement quand ils vont venir, ils vont continuer. Je pense qu'il faut prendre l'initiative. Par la suite, ça va devenir institutionnalisé au niveau du Conseil régional. D'accord, le DSP s'attend à une enveloppe de combien comme ça? C'est le Conseil qui décide, ce n'est pas le président. Je suis président, je ne fais qu'orienter, mais c'est le Conseil qui décide. D'accord, déjà merci pour l'initiative. Le président qui a même temps à te parler, il est tout le temps à nos côtés pour soutenir les activités du BDS. Vraiment, nous vous disons un grand merci à vous et à votre conseil, toutes les personnes qui vous permettent aussi de nous soutenir. C'est l'occasion de dire merci aussi à la presse qui permet au monde de nous entendre, aux gens de notre pays, de savoir qu'il y a une organisation qui s'appelle ODDS, Organisation du Pont pour le Développement Social, créée par les sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso en adéquation avec notre charisme. Donc nous sommes vraiment contents de participer de cette manière à l'éducation inclusive aux côtés de l'État pour que ces enfants, ces jeunes qui sont des handicapés puissent trouver leur place dans la société et se réaliser. C'est notre petite contribution au développement de notre nation. Comme la secrétaire exécutive l'a dit, l'organisation est faite de telle sorte que nous essayons de couvrir le pays et particulièrement le Grand Thiès. Je pense que la secrétaire est mieux placée pour vous dire exactement ce qu'on fait dans le Grand Thiès. Moi, c'est avec le conseil d'administration, je vous remercie et je remercie toutes les personnes de bonne volonté à travers le Burkina qui nous aident. Et nous remercions encore ici la Fondation Lilian qui est notre partenaire clé et qui intervient pour nous aider. Merci encore, Président, pour tout ce que vous allez faire pour soutenir le DS. Après vous, l'administration est une continuité. Nous espérons que cela continuera pour que chaque année et nous soyons inscrits dans votre budget et que les maires des arrondissements et d'autres autorités puissent prendre l'exemple sur vous pour venir en aide à l'ODDS pour que notre action soit une action en synergie pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez... Ma présentation, moi c'est Mère Léa Belemsaga. Je suis la supérieure générale des sœurs de l'Annonciation du Bobo Dioulasso et présidente de l'Organisation du Pont pour le Développement Social que nous avons mis en route. D'accord, merci ma soeur. Je vous en prie. Et vos activités en faveur de l'éducation inclusive. Bon, le bilan de nos activités. Et bon, en faveur de l'éducation inclusive, nous avons des grandes activités phares. C'est d'abord la sonnette d'alarme qui se situe la plupart du temps au mois de mars aussi et qui est mondiale. Mais au niveau du Burkina, on mène cette activité en collaboration avec toutes les organisations partenaires terrain à travers le Burkina Faso. Et ce sont les écoles qui mettent l'activité en œuvre avec les élèves et qui essaient donc de plaider pour leurs camarades handicapés qui restent à la maison. En tout cas, c'est en train de prendre de l'ampleur et les autorités communes de la région, ils sont assez cool et ils nous accompagnent. Vraiment, on les remercie pour leur engagement. Et aussi, il y a cette conférence que nous avons démarrée depuis 2018 et qui a vu la participation de tout l'ensemble donc, des entités donc, de la région, le Haut-Bassin, et qui continue et qui devient quand même important pour l'ensemble donc, de ces entités-là de contribuer à quel que soit ce qu'ils vont apporter
à l'avènement donc, de l'éducation inclusive au niveau de la région. Mais à part ça, nous avons une contribution pour l'éducation inclusive qui est individualisée au niveau des organisations partenaires. Les organisations partenaires terrain, ils font très attention à la scolarisation donc, des enfants handicapés, ceux qui peuvent, vraiment ceux qui peuvent, et quand on a les moyens, on les inscrit à l'école et on fait l'accompagnement de cette inscription avec les maîtres et leurs camarades au niveau des écoles. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Madame Redina, sur la troisième conférence, quels sont les objectifs recherchés par la troisième conférence? Bon, la troisième conférence, les objectifs recherchés, c'est surtout une évaluation du plan qui a été mis en place depuis 2018. Nous avons en 2019 essayé de rappeler et de le mettre en œuvre avec tout le monde. Mais maintenant, cette année, c'est la fin du plan. Et nous voudrions tout simplement l'évaluer et voir où nous en sommes pour pouvoir justement essayer donc de rectifier le tir et bien sûr pour mieux réajuster nos actions pour mieux être donc de ce que nous avons inscrit dans nos programmes l'éducation inclusive. Madame, excusez, lors de vos activités depuis 2018, est-ce qu'il y a eu des centres qui ont été construits en fait, dans le but de recevoir les handicapés? La personne veut avec un handicap pour mieux en fait les accompagner. Mais peut-être pas encore des centres qui sont construits, mais ce n'est pas loin. Nous sommes là-dessus. On est en train de chercher à construire des centres. Mais pour le moment, c'est surtout l'ouverture des écoles, des établissements, à prendre tous les enfants. Surtout les établissements publics. Les établissements privés, il n'y a pas de souci. Mais c'est les établissements publics pour que tout le monde s'ouvre à prendre tous les enfants, quel que soit l'enfant qu'ils vont venir s'inscrire. Et quand la personne handicapée vient s'inscrire, ils le prennent et ils prennent tous les moyens aussi pour l'accompagner pour sa réussite. C'est ça, l'éducation pour tous. Vos difficultés rencontrées lors de vos activités? Ah, ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés rencontrées. Et il y en a encore des gens qui n'ont pas encore bien saisi la question du handicap et qui sont encore très réticents. Mais nous sommes toujours dans la sensibilisation de masse pour que tout le monde prenne sa part et comprenne que le handicap, comme les sourds viennent de le dire, ce n'est pas du tout une fatalité. Et bon, c'est vrai que c'est un handicap, mais la personne handicapée, si tu le suis, elle peut vraiment arriver à avoir justement à s'insérer dans la société. Et puis aussi la question des moyens. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour tout le monde. Il y en a beaucoup et ils sont nombreux, ceux qu'il faut inscrire à l'école. Mais il n'y a pas assez de moyens. Nous avons bien sûr des ONG qui ont compris et qui nous accompagnent, mais nous n'avons pas assez de moyens pour faire. Donc c'est pourquoi on interpelle la région pour pouvoir prendre en charge quand même le maximum possible. Quand vous êtes en langue nationale, vous parlez le Doula ou le Moré? Oh non, je suis... L'école inclusive doit rendre au Angake, une conférence de modérateurs. Donc, on a une conférence de modérateurs. Alors, conférence Savana Ministre Gratemi, Absol à Nyeki Fanyana. Et conférence Savana Ministre, allez, il y a des gens qui ont envie de faire ça pour trouver la balle du pays. Et alors, il y a un problème de l'anneau pour faire des décennies au Kakour. Amena les sekasek kafle. Est-ce que la loi Boroni, est-ce que ambeka mekanya? Donc au Saria Boroni na mamne kanya. Amena na mene no kanya ni en région na mukobi barakenai ambeka. Au Baniko comme organisation Dipon Fenapi Barake aller faire du Baniu Kakora surtout à 25 minutes de Kola. Dans un plan de la Sénat à Savana, la conférence Savana, a mené à ce que c'est café. Est-ce que nous avons dit est-ce que nous avons dit café? Parce que comme nous, quel est l'organisation de drones, tu sais, oui, école FAO, ni inspecteur, ni Mohamed Minou Bébé, Baraké, Kouara, dans le lieu de café, Barato Dion. Bi fe ka fle est-ce que ba nyaka no ba nyaka amna do la no ta nyaka am bi se ka fere mi yala ka o la asra ka
mais Bimi ira déjà Chamambe à Dakar. Même Namassé, en bas de la côte. Parce que Bibi Nani Tara est comme ça. Et Moro doit payer aussi que nous, Tiri Kefeu, mais aussi Kalanke, Tiri Kefeu. Donc il y a des mêmes Kefeu, mais il va y avoir Kalanke. Donc on va y avoir un peu de pays, et puis un mieux pour 600, à Tana, pour le bas, pour le faire. Donc il faut pas. Mais au sera est-ce que Kalanfan nous venir moins qu'à ce qu'au lieu de faire la Kalanfan. Et à des folles tu y mets folles et en tout type Kalanfan si tu t'y fais au demi-sein on cadre à l'école de l'autre. Et des fois nous y restons tout fait. Et quand des nous faisons tout fait au biquet qu'elle est faut qu'elle les bancs. Mais bibina ben y a long et moi voilà à te yérique. Et à manquer quoi dans la tête bana. Donc comme aux familles qui là des fois où il y a des boires nous car des boulots et calampan nous fana peka calandor sur aux familles donc au fana des deux jeunes nous menent canyé beaucoup calandor et quand des temps nous y a des vétérans menent nous beaucoup que tutéri donc Kobe dans nos cinq ans pour y atteindre et gouvernement fana y minke aya la sécurité aussi. Parce que voilà là, l'éducation inclusive service tout été dépendant de nous. Mais après, c'est ça, dépendant de traînant de Burkina Faso. Donc, docker. Moroti et Dim Falago dessin tapouni pour Dindangan Tara. Donc en Béya Fanga, pour Bisseka Kalan, pour Bisseka Oli, Bimbo, en Gafasou.